Amis chers internautes, bienvenue dans votre émission Notre Environnement en Question. Nous sommes sur Ovadia Web TV et aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'émission, nous allons parler de la désertification. Nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que la désertification et l'ampleur que ça prend aujourd'hui au Bénin. Et tout ceci va se faire avec l'environnementaliste Monsieur Sagbo Patrice. Monsieur Sagbo Patrice, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans l'émission Notre Environnement en Question. Alors, nous allons parler de la désertification. Lorsqu'on évoque le thème désertification, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Nous allons être très simples pour dire que c'est une avancée vers le désert. C'est un processus d'avancée vers le désert. Et ce processus peut être naturel comme il peut être aussi provoqué. Et lorsqu'on parle de provoquer, il faut savoir que c'est l'homme qui en est à la base. Donc la désertification naturelle se remarque dans les zones. Si vous allez dans la Méditerranée, vous allez voir que les régions comme le Sinaï, l'Égypte, ces zones sont naturellement désertiques. Et vous allez voir des dunes de sable. Pour produire, cultiver des produits agricoles, on se sert de la technologie de l'arrosage. Voilà, on met des tuyaux, on va chercher l'eau de la mer, qu'on transforme et c'est difficile. Mais ici, lorsque c'est l'homme qui le fait, il y a des pratiques désastreuses qui sont incompatibles avec la vie sur la terre, avec la vie, avec les espèces, les animaux, les plantes et tout ce que l'homme se sert pour mieux vivre. C'est ça. Alors, Monsieur Sagbo Patrice, lorsque vous parlez de pratiques désastreuses, qu'est-ce qu'on peut déjà énumérer? Voilà. Lorsque nous parlons de désertification, vous allez voir le mot « désert ». Et c'est nous-mêmes qui avançons vers ce désert-là par nos pratiques. Si je prends le cas de l'urbanisation, moi je parle de l'urbanisation sauvage, où on ne pense plus qu'après ceux qui le font aujourd'hui, ne pense plus qu'après eux, il aura vie pour les générations à venir. Donc, pour déterminer les 30 sur 30, les 25 sur 25, on détruit tout ce qui est arbre, on détruit tout ce qui est biodiversité, on détruit tout et on met du béton. Ce n'est pas normal. Lorsque les gens veulent faire de la voie, ils enlèvent tout ce qui est arbre, qui donne de l'oxygène, on met du béton en lieu et place. Ça, est-ce que c'est un comportement responsable? Ça, c'est un. Deuxième chose, vous voyez les gens... Ici, nous sommes sur un terrain, vous voyez du charbon. C'est la carbonisation. Ce charbon est venu de nos forêts. Donc, on déboise, on déforeste. Et ça, c'est dans l'intérêt de quelques individus qui veulent manger. Il n'y a pas encore si longtemps, vous avez entendu que des deux capés, il y a des camions, des conteneurs de bois qui quittent le nord pour venir au port ici. Et ça, c'est tous les jours. On envoie ça à l'Europe, on va commercer. Et après, on parle du changement climatique. Est-ce que c'est normal ça? Vous allez voir aussi l'agriculture industrielle qui fait de la monoculture. La monoculture, ça veut dire que sur le terrain, on ne verra qu'une seule culture, on enlève tous les arbres. Ce n'est pas responsable. Ces comportements ne sont pas responsables. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez, nous allons nous arrêter à ces petites pratiques pour voir les conséquences que ça générera après sur la vie de chaque individu, sur terre. Voilà. Alors, lorsqu'on suit un peu votre développement, on retient que la désertification au Bénin est en train de prendre de l'ampleur. Alors qu'il y a le gouvernement qui a mis en place, je ne sais pas, des stratégies de lutte peut-être pour contrer cette désertification-là. Vous n'avez pas l'impression? On ne doit pas lutter contre la désertification. On doit gérer durablement nos forêts. Les forêts que nous avons là, nous devons les gérer durablement. Lutter contre? Quel arbre nous avons pour lutter contre la nature? On n'en a pas, on ne lutte pas contre la nature. On prend des mesures pour ne pas exagérer dans l'exploitation, l'utilisation de ces ressources-là. Et c'est pour ça que je peux comprendre que le gouvernement actuel, dès son avènement, a pris des décisions pour arrêter la coupe des bois. Je suis d'accord. Mais lorsqu'on a fait ça, ça a duré combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps. On a continué à observer encore les anciennes pratiques. Ici, le sud, vous voyez tout le Bénin. Tout Cotonou, les grandes villes du Bénin s'alimentent aujourd'hui dans les foyers avec du charbon. Alors que lorsque vous allez au Ghana, à Accra tout près, vous pouvez acheter du gaz.
si vous allez à Lomé, vous pouvez acheter du gaz domestique pour venir utiliser. S'il n'a pas ces alternatives-là, comment voulez-vous que ces pratiques-là s'arrêtent? Ça ne peut pas s'arrêter. Est-ce que vous êtes déjà allé au port pour voir si aujourd'hui nos bois ne continuent plus d'aller là-bas? Oui, le gouvernement a parlé, mais ceux qui sont chargés d'appliquer les lois, là, la décision du gouvernement, est-ce qu'ils continuent vraiment d'appliquer cette décision-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu au Bénin que la culture du coton, lorsque je parle de monoculture, c'est ça. Lorsque je parle de monoculture, c'est ça. On ne doit voir aucun arbre sur les superficies cultivées pour faire le coton. Il n'y en a pas. Donc, c'est de jour en jour, on dit qu'on a eu 650. 650, c'est pas parce qu'on est resté sur un mètre carré pour avoir plus de rendement. On dévaste de longues superficies pour avoir des rendements. Ça n'a pas de rendement. C'est qu'au fur et à mesure que les superficies sont dévastées, on va avoir du coton. Ça, ce n'est pas des rendements, ça. C'est des comportements découragés. On ne dit pas qu'on ne produira pas le coton, mais il faut savoir raison garder pour savoir qu'après nous, il va y avoir une génération. Mais en même temps, nous parlons de changement climatique. C'est la déforestation qui conduit à la désertification et provoquée par l'homme. Si nous laissons ce que la nature même a déjà provoqué dans certaines zones, on va au Niger, vous allez au Burkina Faso, où vous voyez à certaines saisons de l'année, la température augmente, les pluies se raréfient, les sols s'arident. Si nous laissons ces pays naturellement désertifiés, est-ce que vous avez vu ici que nous-mêmes, nous n'appelons pas la désertification par nos pratiques? C'est de ça que et les pratiques sont courantes et nous les voyons tous les jours. Et personne ne fait quoi que ce soit. Lorsque vous utilisez beaucoup d'engrais chimiques, beaucoup de pesticides, vous dégradez le sol et vous appelez les gaz à effet de serre qui ne provoquent que le changement climatique. Est-ce que nous sommes conscients de ça? On n'est pas conscients de ça. Vous voyez, moi je ne sais pas. Nous nous amusons avec la nature. Et moi je suis convaincu que le jour où la nature va se révolter, personne ne pourra lui résister. C'est ça ce qui est dommage. Voilà. Alors, les ressources naturelles sont détruites aujourd'hui par la main de l'homme lui-même. Est-ce que lorsqu'on prend le Bénin aujourd'hui, il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées par la désertification que d'autres? Vous savez que lorsque nous allons dans le nord du Bénin, le désert s'avance déjà là-bas, vers ici. Même aujourd'hui, on ne sait plus quelle saison est fixe, quelle saison n'est pas fixe. C'est comme si tout chamboule. Et vous avez vu comment les pluies sont devenues très précoces cette année. Déjà en janvier, on a de grosses pluies et ça inquiète tout le monde. Les gens vont dire oui, les scientifiques vont faire leur laïus, oui, c'est vrai, c'est changement climatique. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que le changement climatique n'arrive pas? On ne se pose plus cette question. On tend la main pour aller au COP et les COP là sont des propres à prolongation sans aucune décision. Un pays se lève pour dire je ne paye rien, je fais ceci et on s'amuse avec la nature. Moi je pense que ça ne marche pas. Lorsque vous allez à Banikwara, vous allez dans le nord profond, vous allez voir que tout ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso, ça avance déjà. Allez dans nos parcs pour voir comment les animaux sauvages arrivent à se nourrir. Le pâturage se raréfie, les pluies ne sont plus à leur rythme. Il y a tout ça que nous voyons. Et ce n'est plus le nord, ce n'est plus le sud. Vous voyez, au sud, on avait deux saisons de pluie, deux grandes saisons de pluie et deux grandes saisons sèches. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les pluies sont précoces. On ne sait plus quelle saison est conforme au calendrier qui existait avant. Donc tout est confondu. Donc nous sommes menacés. Nous sommes menacés par les actes que nous posons tous les jours. Mais comment est-ce que l'intelligence humaine peut remédier à ces façons de faire pour dire on revient et sur nos pratiques, on prend conscience, on ne fait plus ceci, vous n'allez jamais avoir ces dispositions dans nos décisions, dans nos ceci. Si les décisions sont prises, elles ne sont que sur papier. Je vous ai dit, lorsqu'on demande aux gens de ne pas utiliser le charbon domestique, carbonisation, là, il faut trouver une solution en lieu et place. Vous avez déjà vu ça ici, madame? Il n'y en a pas. Donc voilà, c'est des choses comme ça, ce ne sont des paroles. Et ça va nous rattraper. Nous avons crié pour dire pesticides, il faut laisser. Parce que. Vous avez vu, chaque jour, on annonce à la télévision, on annonce à la radio pour que dit telle campagne, il a telle tonne d'engrais chimiques, telle 1000 litres de ceci. Et ça arrive dans le pays. Ça ne dit rien à quelqu'un. Et comme je l'ai dit, vous allez voir, tout ce que les gens font à Cotonou comme production de légumes et de ceci et de cela, là, ils ne peuvent jamais produire ces choses à Cotonou sans utiliser des pesticides, des engrais chimiques, parce que le sol est dégradé. Et lorsque le sol est dégradé, on utilise tout ça là
on détruit la couche d'ozone qui amène les changements climatiques. C'est ça, nous sommes irresponsables, nous hommes là, sur le terrain, c'est ça. Alors, Monsieur Sagbo-Patrice, vous êtes environnementaliste. Si vous étiez à la place du gouvernement, quelles sont les mesures que vous pourriez mettre en place pour quand même gérer la désertification aujourd'hui au Bénin? Que ce soit le gouvernement actuel ou ceux qui l'avaient précédé, ils savent très bien ce qu'on doit faire. Parce qu'ils ont pris des lois. Ils ont pris des lois, ils ont signé des conventions. Il y a beaucoup de décrets qui protègent l'environnement, les ressources, les terres, tout ça là. Ils ont signé la convention sur la diversité biologique, sur la désertification, sur les changements climatiques. Mais lorsqu'on signe tout ça là, on revient, on traduit tout ça là en acte. On n'a pas vu ça. Donc moi je pense que lorsque nous sommes dans un pays et nous avons le bénéfice de la mer, des lagunes et de la terre, nous devons planter des arbres. On doit encourager la plantation de beaucoup d'arbres. On doit demander à chaque individu. Ce n'est pas qu'on attend le mois de juin, 1er juillet, non. Tous les jours que Dieu fait, nous devons planter beaucoup d'arbres, entretenir. Et ça nous donne un peu de la chance que nous serons à l'abri de la désertification. L'autre chose, il faut trouver des alternatives contre la carbonisation. Donc le gaz domestique est quelque chose de formidable que nous pouvons vraiment promouvoir. Et c'est, si le Ghana arrive à utiliser ce gaz-là, le Togo arrive à utiliser ce gaz, nous aussi, je pense que nous serons capables de le faire. Lorsque nous-mêmes, nous prenons nos dabas, nos roues, tout ça là, pour aller déboiser, déforester, qu'est-ce que nous voulons? Donc, il faut arrêter ou réglementer l'utilisation abusive des bois et de nos forêts. Il faut aussi que l'agriculture et industrielle que nous faisons, qui ne favorise pas du tout la durabilité des terres et le maintien des climats, que nous arrêtions ça. On ne demande pas aux gens de ne pas faire la culture du coton. Mais aujourd'hui, la culture qui prend, qui consomme beaucoup de terres, beaucoup de superficie, c'est encore cette culture-là. Donc nous pouvons voir dans quelle mesure nous pouvons arrêter tout ça pour que demain soit meilleur pour les générations à venir. Demain, si les générations futures ne trouvent plus de quoi, de où rester, et de quoi manger, ils vont accuser ceux qui ont géré avant eux. Donc nous ne serons pas comptables de ça parce que nous le disons tous les jours. Les lois doivent être appliquées. Nous devons trouver des alternatives durables. Nous devons cesser de couper, de déboiser, de déforester les quelques forêts dont Dieu nous a gratifiées. Sinon, ce serait grave. Maintenant, au niveau des enfants, il faut l'éducation environnementale pour que ces enfants ne répètent pas les mêmes erreurs que nous sommes en train de commettre aujourd'hui. Si nous faisons ça, je pense que ça va donner un peu plus d'espoir, de vie et de suivi sur la terre. Si nous ne le faisons pas, ce serait tant pis pour nous. Voilà, ce sera tout pour ce numéro de notre environnement en question sur Ovadia Web TV. Nous avons parlé cette fois-ci de la désertification et nous l'avons fait avec l'environnementaliste Monsieur Sagbo-Patrice. Pour le prochain numéro, nous allons nous intéresser à l'utilisation du bois, du charbon au Bénin. À très très vite.